tête déterrée ici. Bonjour. Vous avez raison, je viens d'arriver en ville. J'arrive du village de Brousséliande. Ah, pas la peine de me demander où c'est. C'est bien ça le problème d'ailleurs. C'est tellement paumé que personne n'y va, même pas les ondes radio. Aide. Ah, oh, j'aurais besoin d'un peu d'aide au début, c'est sûr, je ne reconnais rien ici. Ah, et puis c'est pas pour vous que je dis ça, mais je trouve les gens de la ville un peu bizarres. Ouais, bon, ça va être une super journée, j'ai réussi à avoir un entretien d'embauche. Merci. Bonjour. C'est pourquoi ? C'est d'ici pour l'entretien d'embauche ? Pour quel poste ? Vous cherchez bien des gens pour faire des sondages. Et vous vous en croyez capable ? Je vous en pose des questions. Oui. Et je vous engage. Je vous présente vos nouveaux collègues. Ils vont vous apprendre quelques trucs. Débraillé, mais correct. Un peu vieillot. Au moins, tu n'es pas victime de la mode comme Jenny. À Brousséliande, la mode s'est arrêtée aux années 80. L'apparence est très importante. En te voyant, le son des doigts se dire « Je veux répondre à toutes ces questions avant même que tu lui en poses. » Tu dois aborder les gens avec tact. Commence par « Bonjour, je m'appelle... » Vincent, je m'appelle Vincent. Enchantée. Moi, c'est Marie. Tu dois avoir une approche positive. Ne dis surtout pas « Êtes-vous trop occupé ?» On a l'impression que tu fais des excuses et tu ne dois pas t'excuser de faire ce métier devant ces snobinards qui nous prennent de haut dès que l'on ose leur voler quelques secondes de leur précieuse vie. Dis plutôt, je voudrais vous poser quelques questions. Tiens, tu vas faire un essai avec le monsieur qui arrive. Où ça ? Mais 3 mètres devant toi. Ne me dis pas que tu ne vois pas le spectre humain devant toi. Attends, mais les fantômes, ça n'existe pas. Mon pauvre petit, c'est le métier qui rentre. Tu dois toujours montrer du respect à ton interlocuteur, quelles que soient ses origines. Les fantômes ont tout de même un statut depuis une vingtaine d'années. C'est un bizutage, c'est ça? J'ai été engagé chez SOS Fantômes. Excusez-le, il est ignorant, il est de la campagne. Tu es fou. Quand tu abordes l'enquêté pour la première fois, tu fais de ton mieux pour le mettre à l'aise. Mais... Et toi, tu évoques cette milice d'extrême droite qui a massacré des spectres humains à New York dans les années 80? Non mais... Oh bah bravo, hein. Mais... Tu te lèves... Hein? Et tu fais des excuses au monsieur. Mais attends, ton fantôme, là, c'est un esprit frappeur ou quoi ? Pas de blague raciste, hein ? Je crois que le petit a quelque chose à vous dire. Pardon. C'est bon. Mais la prochaine fois que tu t'excuses, tu regardes les gens dans les yeux. Pas très réglementaire à cette tenue. Ouais, je me suis fait attaquer aussi. Bah, les risques du métier, mon petit. Le sondage, c'est comme la guerre. Tu dois être prêt à tout. Et je dis bien à tout pour atteindre ton objectif. Voici ton ordre de mission. Interroger ces civils. Eh, mais on dirait une mort vivante, là. C'est vrai qu'une femme sans maquillage, c'est terrible. Et une femme morte sans maquillage, c'est encore pire. Non, mais attends, les zombies, ça existe que dans les films de George Romero. Oh, tu as vu ces documentaires? Parfait! Tu es apte pour cette mission. C'est documentaire. Ah oui, le territoire des morts, zombies, le jour des morts vivants. Ce sont des reportages si poignants. Bon, tu as 30 secondes pour remplir ta fiche de renseignement. Allez, go, go, go! Bonjour. Est-ce que vous auriez un peu de temps à tuer? Merci. Première question. Prénom. Pas compris. Vous pouvez répéter? S'il vous plaît, articulez, je...
Excusez-le, madame, c'est une nouvelle recrue. Mais elle a essayé de me mordre. Et elle a bien raison. Elle répète son prénom depuis tout à l'heure et tu ne l'écoutes pas. Son prénom est Barbara. Elle a un petit accent du sud, mais tout de même. Bon, je reprends les opérations en main. Bon, prénom, donc. Barbara. Nom. Bollmann. Profession. Infirmière. Âge. 6 mois. Quoi? Ben les bases, mon petit, les bases. Depuis le décret zombie et liberté, l'âge d'un mort-vivant correspond à sa durée de putréfaction. Les années en statut vivant ne sont plus comptabilisées. Reçu? Ouais. Je reprends. Statut marital. Une rupture, donc divorcée. D'ailleurs, je note que madame est coquette. Enfant à charge. Un enfant en bas âge. Félicitations. Et merci pour votre patience. La cible n'a opposé aucune résistance. Tu vois, facile. J'ai pas rempli un seul formulaire. Merde, j'ai besoin de ce job. Je veux pas retourner à Brousséliande, moi. Tu sais que c'est complètement... ennuyeux ce que tu me racontes. Au fait, pourquoi tu t'es changée? J'étais déprimée. À ce point? L'idée de m'occuper de toi était ennuyeuse à mourir. J'ai pensé au vide, à la mort, à la torture. D'accord. Et du coup, on fait quoi? Le grand Satan m'a ordonné de t'enseigner comment on extirpe les questions à un sondé, comme les tripes d'une vierge dans une messe noire. Avec un couteau pointu? Non. Avec une attitude neutre et objective. Tu dois poser la question exactement telle qu'elle est écrite dans le questionnaire. Tiens, voilà ton questionnaire. Il est sur la santé. Et oh, joie incompréhensible, je vois un mec en blouse blanche là-bas. Un jeu d'enfant. J'en suis verte de jalousie. Pourquoi le questionnaire est rempli à la main? L'imprimante n'avait plus d'encre. Noire, comme les ténèbres insondables de mon âme. C'est bon, j'ai compris. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? S'il vous plaît, bonjour, c'est pour un sondage. Avec plaisir. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Enfin, sauf si je dois le sauver, bien sûr. Ce sera rapide, ce sont des questions de santé. Je suis docteur en physique nucléaire, mais c'est à peu près la même chose. À quoi vous fait penser la couleur verte? T'es sûr que ce sont les bonnes réponses? Tu dois respecter le texte comme les versets de la Bible satanique. Le sang de bouc en moins. À quoi vous fait penser la couleur verte? Petit 1, un vieux crapaud desséché. Petit 2, du vomi. Petit 3, les couilles d'un petit pois. J'aurais plutôt dit l'espoir, la chance, l'herbe. Jenny? Si l'enquêté ne comprend pas la question, répète-la très lentement. À quoi vous fait penser la couleur verte? Petit 1, un vieux crapaud desséché. Petit 2, du vomi. Petit 3, les couilles... Du vomi, oui. Les super-héros vous font penser à... Petit 1, des vieilles en bas de contention. Petit 2, des suppos de Satan. Petit 3, des suppos tout court. Petit 4, des couilles de petits pois sous hormones. Répète un bout ta question! Jenny! Certes, je sais que tu es fatiguée, Jenny, mais tu pourrais attendre d'être chez toi pour dormir. C'est ça. Au moins, je devrais m'estimer heureuse cette fois. Tu ne portes pas de nuisette. Alors, cette journée. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai appris que vous avez eu un accident. C'était... horrible. Je me suis fait attaquer par un... un spectre humain, une zombie et un gros huc tout vert. Oh, vous avez vu le docteur Banner? Ah, j'y pense, je lui dois une revanche au golf. Quoi? Mais j'ai failli mourir. Et alors? Cela ne compte pas comme arrêt maladie. Vous pouvez bosser sous forme spectrale, c'est dans votre contrat. Enfin, si vous restez parmi nous. Pitié, j'ai besoin de ce job. Je veux pas retourner à Brousséliande, moi. J'en peux plus de ce village de paumé. Vous êtes sans cachet. Mais je n'ai pas rempli un seul formulaire. Vous êtes vivant à la fin de la journée. C'est mieux que nos deux derniers candidats.
Merci. De toute façon, nous avons besoin de vous demain. Sondage au parc jurassique. Ça a l'air compliqué. C'est un parc pour enfants, non? Je vois. Nous avons engagé un bout en train. Bienvenue chez Galaxy Sondage.